Salut, bienvenue sur Picomath. Dans cette vidéo, on va parler de calcul mental, on va parler de multiplication par 5 ou de division par 5 de tête. J'ai une playlist qui se concerne le calcul mental, je t'invite à la regarder. Il y aura peut-être des infos en description de cette vidéo. On va commencer par la multiplication par 5 de tête. Comment est-ce qu'on fait pour multiplier un nombre par 5 de tête? On commence, enfin on prend le nombre. On multiplie par 10. On a un résultat. Et on prend la moitié du résultat. Par exemple, imaginons, tu ne connais pas tes tables de multiplication et c'est pas bien. Tu veux calculer 9 fois 5. On multiplie 9 par 10, c'est-à-dire on a un 0 à droite. Et ensuite on divise par 2. La moitié de 90, c'est 45. 9 fois 5 égale 45. Voilà comment on s'y prend. Tu peux faire les opérations dans l'ordre que tu veux, parce que je t'ai dit, tu multiplies par 10 et tu prends la moitié. Tu pourrais aussi bien au lieu de faire de multiplier d'abord par 10, tu pourrais dire 9 divisé par 2 fois 10. Donc la moitié de 9, c'est 4,5. 4,5, si tu multiplies par 10, bah, c'est-à-dire tu déplaces ta virgule vers la droite, la réponse est 45. Tu obtiens le même résultat, tu peux faire ça dans le sens que tu veux. Bah, nous, on va passer maintenant au premier exercice. Le seul et unique exercice qui concerne la multiplication, après on fera la division. Voilà le premier exercice, je t'invite vraiment à le faire tout seul. Noter tes résultats sur un papier et puis après regarder la solution. Ça suffit pas de me regarder faire. 11 fois 5, je multiplie par 10. 11 fois 10, 110. La moitié de 110, c'est 55. Tu pourrais tout aussi bien te dire, j'ai une dizaine que je multiplie par 5, donc je vais avoir 5 dizaines, j'ai une unité que je multiplie par 5, ça me donne 5. 5 dizaines, 50 plus 5, 55. Tu peux aussi faire comme ça. Ça dépend de ce que tu préfères. 12 fois 5. 12 fois 10, 120. La moitié de 120, c'est 60. Tu peux tout aussi bien te dire, j'ai une dizaine que je multiplie par 5, j'ai 5 dizaines. J'ai 2 fois 5, j'ai une dizaine, donc j'ai 5 dizaines plus une dizaine, ça me donne 6 dizaines. 15 fois 5. 15 fois 10, 150. La moitié de 150, c'est 75. 37 fois 5. 37 fois 10, 370. La moitié de 370. Je vais prendre la moitié de 300, 150. La moitié de 70, 35. 150 plus 35, 185. 71 fois 5. Alors, pour celle-ci, j'ai utilisé un peu une autre technique, mais tu peux très bien te dire 3 fois 5, 18. Donc tu as 18 dizaines. Hein. Tu peux faire comme ça. Pour celui-ci, tiens, on va le faire comme ça. 7 fois 5, 35. J'ai 35 dizaines. C'est-à-dire 350. Et une fois 5, 5. Ce qui me donne 350 plus 5, 355. Quand on a des nombres un peu grands, effectivement, c'est souvent mieux de commencer, enfin de multiplier d'abord le nombre de dizaines, enfin de multiplier par 5 le nombre de dizaines, et puis ensuite de multiplier par 5 les unités et d'ajouter les deux. C'est, ouais. Parce que quand on commence par multiplier par 10 et après diviser par 2, parfois ça fait plus de calculs. On passe maintenant à la division. Alors pour diviser par 5, on divise par 10 le nombre. Alors qu'est-ce que ça veut dire diviser par 10? Ben, ça veut dire qu'on va décaler la virgule. Alors par exemple, je vais prendre, je sais pas moi, 51. Si je divise 51 par 10, je vais décaler la virgule. Alors j'ai 51 ici, la virgule, elle est là parce qu'on a 51,0. La virgule, je vais la décaler d'un rang, ce qui va me donner 5,1. Tu vois l'idée? Voilà. Simple petit rappel. Donc on divise par 10 le nombre et ensuite on prend le double
du résultat qu'on vient de trouver. Voilà comment on fait. Si je prends par exemple 35 divisé par 5, normalement c'est immédiat parce que ça fait partie des tables de multiplication. Je vais dire 35 fois 2 divisé par 10. Voilà ce que je fais. Donc 35 fois 2, 70. 70 divisé par 10, ça donne 7. 35 divisé par 5 égale 7. Voilà. Voilà comment on peut faire. Tu pourrais tout aussi bien commencer par diviser 35 par 10, ce qui donnerait 3,5. 3,5 fois 2, ça donne bien 7. Tu fais ça dans l'ordre que tu préfères. On va passer aux deux exercices qui viennent maintenant. Le premier exercice, les nombres seront des multiples de 5, donc il n'y aura rien après la virgule. Et dans le troisième exercice, les nombres ne seront pas des multiples de 5, donc forcément, il y aura quelque chose après la virgule. Alors, tu vois, dans cet exercice, sur les trois premiers, on divise par 5. Sur les deux derniers, on multiplie par 0,2. Quand on divise par 5, en fait, par exemple, si je dis 55 divisé par 5, c'est la même chose que de le multiplier par 1 cinquième. Voilà, c'est la même chose. Et 1 cinquième, c'est 0,2. Donc en fait, quand on a besoin de multiplier par 0,2, ça peut être quand on fait, je sais pas moi, des pourcentages. Par exemple, si je veux prendre 20% de 95, je vais multiplier par 0,2. Quand on fait aussi des probabilités, on a parfois des nombres qui sont, enfin, probabilité, on a des nombres qui sont compris entre 0 et 1. Donc on est amené à multiplier par exemple, 0,2. Ça peut se faire de tête. On va passer à l'exercice. 55 divisé par 5. Je peux diviser par 10 et multiplier par 2. Donc 55 divisé par 10, 5,5. La virgule, elle était là. Je la mets là. 5,5. Le double de 5,5, ça va être 11. Voilà une façon de procéder. Je peux procéder aussi d'une autre manière. Voilà, il y a souvent plusieurs façons de faire et je les donne un petit peu au fur et à mesure. Ici, j'ai 5 dizaines. 5 dizaines divisé par 5, ça me donne une dizaine. 5 unités divisé par 5, ça me donne une unité. J'ai une dizaine, une unité, j'ai 11. Voilà, on peut aussi faire comme ça. 75 divisé par 5. Bon, 7 dizaines divisé par 5, ça ne va pas coller. Donc, on va faire autrement. On va d'abord diviser par 10 et on va multiplier par 2. La virgule, elle est ici. Je divise par 10, la virgule est elle là. Maintenant, je prends le double. 7,5 fois 2, ça donne 15. Maintenant, 105 divisé par 5. Je divise par 10, la virgule est ici. Je la mets là, ça me donne 10,5. 10,5 fois 2, ça me donne 21. 95 fois 0,2 multiplié par 0,2, comme je te l'expliquais il y a quelques instants, c'est la même chose que diviser par 5. Donc ce qu'on va faire, on va diviser par 10. Donc la virgule est ici, je la mets là. Donc le résultat est 9,5 que je vais multiplier par 2. 9,5 multiplié par 2. Je peux commencer par multiplier 9 par 2. Voilà. 9 fois 2, 18. 0,5 fois 2, ça donne 1. Donc je suis à 18 plus 1, 19. 560 fois 0,2. Je vais commencer par diviser par 10, ce qui me donne 56. 56 fois 2, ça me donne 112. Donc là, mes résultats, en fait, c'est des nombres entiers. Il n'y a rien après la virgule, puisque ici, c'est des multiples de 5. Comment est-ce que j'ai reconnu que c'était des multiples de 5? Ça finit par 5 ou 0. Le chiffre des unités est 5 ou 0, donc ça, il n'y a pas de souci, c'est des multiples de 5. On va passer à l'exercice numéro 3, où ce ne sont pas des multiples de 5, donc on va se retrouver avec des choses après la virgule, et tu vas voir, ça ne pose pas vraiment plus de difficultés. Alors, si je regarde les nombres que je veux diviser par 5 ou multiplier par 0,2, ça ne finit jamais par 0 ou 5. Les unités ne sont jamais 0 ou 5, donc là, il va y avoir quelque chose après la virgule. Comment est-ce qu'on s'y prend?
Bah comme tout à l'heure, on divise par 10, on multiplie par 2. 49, la virgule, elle est là, ici. Je divise par 10, la virgule se retrouve là. J'ai 4,9. Je multiplie 4,9 par 2. Alors, si je multiplie 4 par 2, j'ai 8. Si je multiplie 0,9 par 2, j'ai 1,8. Ce qui va me donner 8 plus 1,8, qui va me donner 9,8. Voilà. Je continue. 37 divisé par 10, 3,7. 3,7 multiplié par 2, 3 multiplié par 2, 6. Je garde 6 dans un coin. 0,7 fois 2, ça me donne 1,4. Ce qui va me donner 6 plus 1,4, qui me donne 7,4. 54 divisé par 5. La virgule est ici. Je divise par 10, la virgule est là. 5,4 fois 2, ça me donne 5 fois 2, 10. 0,4 fois 2, ça me donne 0,8. La réponse est 10,8. Donc ça a l'air, c'est pas super compliqué. 62 fois 0,2 multiplié par 0,2, c'est comme divisé par 5. Donc ce que je vais faire 62 divisé par 10, ce qui me donne 6,2. 6,2 fois 2, ça me donne 12,4. Et le dernier, qui a l'air compliqué, mais qui n'est pas plus que le reste, la virgule est ici, je divise par 10. 14,3 fois 2, ça va nous donner 28,6. Donc quand on veut diviser par 5, on divise par 10, c'est-à-dire on a trop divisé. On a trop divisé. Si on pense en... On a un rectangle comme ça. Voilà. Et si je le divise par 10... Et après, en fait, je veux des paquets de 5, tu vois. Ça, c'est 1 dixième. Et ça, celui qui est là, là, c'est 1 cinquième. C'est le double. Voilà, avec un petit dessin... J'aurais peut-être dû te le faire plus tôt. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo concernant la multiplication et la division par 5 de tête. À bientôt sur la chaîne. Ciao !